Bah du coup, let's go. Bon alors comme d'hab, hein, les premiers coffres, les gars, vous connaissez la chanson. On ouvre ça vite fait parce qu'on s'en bat les couilles. En fait, on va ouvrir vite jusqu'à là parce qu'il n'y a pas de légende avant, donc on s'en fout totalement. On ouvre en spammant. On va mettre le truc en plus grand. Et là, vous allez voir le compteur de reflets augmenter, les gars. Regardez bien ça parce qu'on a commencé à 0, du coup, forcément. Et on va voir combien on en a à la fin. Donc là, on ouvre à l'arrache, on s'en fout totalement. Hein. Là, vous pouvez regarder si vous voulez, mais... Voilà, quoi. Dans tous les cas, c'est des trucs pas terribles. Non, non, mais les légendes de Crocodure, clairement, c'est utile parce que c'est une légende qui se vend, en fait. Toutes les légendes qui se vendent, c'est utile. Parce qu'il y a des légendes, t'as l'impression que c'est bien, mais c'est impossible à vendre, donc on s'en fout. Donc là, j'ai déjà 400 reflets. Alors, 400 reflets, c'est vraiment de la merde, parce que dites-vous qu'avec un gros coffre, j'en ai plus, en fait. Donc, c'est un peu nul, mais bon. Ouais, bon, voilà, hop. On commence les coffres un petit peu au-dessus, la catégorie du dessus. Mais c'est quand même de la merde, hein, je vous rassure. Là, il n'y a rien d'intéressant. La limite, ce qui est vraiment le plus intéressant, c'est d'avoir les prismes maradites pour crafter les trucs, hein, franchement. Ouais, quand t'as 50 reflets, c'est pas mal aussi, en vrai. Et t'as les runes aussi. Les runes, c'est bien. Allez, les coffres moyens. Il me semble qu'il n'y a pas de légende. Non, il n'y a pas de légende non plus. Runes astrales majeures, ça, c'est pas mal. Les runes astrales, il me semble que c'est bien. Ah, désolé pour le clavier, mais là, vous allez l'entendre. Hein. 150 reflets. En vrai, les lots de 150 reflets, c'est lourd aussi. Élixir chronique, par contre, j'en ai trop. Ça vaut plus rien. C'est une catastrophe. Là, j'ai beaucoup de prismes maradites. Hein. Check les ressources avant d'entamer les bleus. Les ressources. Pourquoi faire? Bon, allez, on commence les légendes. Enfin, on commence les coffres avec les légendes, les gars. J'en ai ouvert une là d'ailleurs. Donc, ça, on peut avoir quand même une légende animale. On peut avoir une légende de Burado qui est vraiment bien pour le coup. Légende de Burado, ça, c'est vraiment bien si on l'a. Et après, il y a quoi d'intéressant? Il y a les runes astrales. Runes astrales, c'est pas mal. Allez, let's go. 300 reflets, c'est bien ou pas 300 reflets? Ah oui, putain, c'est bien 300 reflets. C'est assez rare en vrai, c'est cool. Allez, rune astrale, c'est bien. Ah, y'a pas mal de prismes maradites. Rune astrale encore. 300 reflets. Oh, légende de Burado, let's go. Ça, c'est vraiment bien. Franchement, l'arc, bon, je pense que ça vaut pas grand chose, mais franchement, c'est utile. Ça, c'est utile. C'est voilà, c'est un corps à corps que tout le monde, enfin, que tout le monde utilise, que pas mal de gens utilisent. Donc, franchement, c'est lourd. Lourd, lourd, lourd. Franchement, je suis content. Deux légendes de Burado, mais non, incroyable. J'en ai deux. Ah, l'année 2020 qui commence bien. Déjà deux légendes de Burado. Moi, bon, ça vaut pas 20 millions, mais franchement, c'est lourd. Franchement, c'est lourd. Allez, encore une peut-être. Attends, on en a eu deux sur genre 4 coffres là, donc on peut encore en faire une, gros. C'est encore faisable. Il reste 5 coffres, une astrale. Allez, 3 coffres. 2, 1. Franchement, non, je suis content. Franchement, 30 coffres, deux légendes, c'est grave bien. Non, là, franchement, c'est bien. C'est grave lourd. Bon, bah, ça commence très bien. Deux Burado déjà. Alors que franchement, en plus, l'autre légende, elle est nulle, non? C'est quoi l'autre légende déjà qu'il y a dedans? Les gars, c'est Burado et quoi déjà? Je sais plus c'est quoi l'autre, mais c'est de la merde. L'autre, c'est de la merde, je sais. Ça, je sais que c'est de la merde, mais je sais plus c'est quoi. Il y en a peut-être qui le savent dans le chat. Cuboté, ça doit être ça. Ouais, voilà, c'est de la merde quoi. Cuboté, c'est nul. Bon, allez, on continue. Donc là, il n'y a pas de légende, il me semble. Donc là, on va aller se passer assez vite. Là, il y a la rune astrale qui est sympa et le lot de 150 reflets qui est cool. Voilà, c'est vraiment les meilleurs trucs. Si on a l'un des deux, c'est bien. Après, il y a les prises paradis, toujours utile, mais de toute façon, je sais qu'on en aura, donc c'est pas un souci. Rune astrale majeure, on a déjà eu deux. Ça, on va ouvrir assez vite, il n'y a pas vraiment de suspense. Allez, ce serait bien d'avoir un lot de 150 reflets quand même, parce que là, on est déjà... Ah non, j'allais dire déjà à 4000 reflets, mais c'est pas tant que ça. Après, c'est normal, hein, c'est les coffres du début. Ah merde, j'ai déjà fini en fait, je suis en train de spammer la touche, mais non, c'est déjà terminé. Bon, rien d'intéressant, mais en même temps, les coffres sont pas intéressants en eux-mêmes, donc c'est normal. Là, par contre, on va recommencer les coffres avec des légendes, donc c'est parti. Par contre, il est pas terrible quand même, ce coffre, je t'avoue que... Franchement, il paraît que la légende d'animal de Magikrab, c'est de la merde, donc on s'en fout. Il y a la légende de Dame Jessica qui est correcte, mais c'est pas non plus incroyable, voilà. Donc let's go, c'est parti. Donc là, limite, voilà, c'est les lots de reflets. Voilà, 300 reflets, ça, c'est peut-être sa mère, en vrai. Ça, c'est vraiment le meilleur truc, 300 reflets. Et les élixirs uchroniques, par contre, c'est de la merde. Hein. C'est impossible. Ah, légende de milieu. Bon. Franchement, c'est cool. C'est assez... Enfin, ça vaut que dalle, hein, je crois, mais ça fait une légende en plus. C'est pas mal, écoute, ça fait une troisième légende, déjà. Rune astrale, ça, c'est bien. Rune astrale est pas tant, je crois, elle est pas trop mal. Hein. Je sais plus c'est laquelle, mais je crois qu'elle est pas mal. Je crois vraiment que 300 reflets, c'est mieux que la légende, hein, je déconne pas. Rune astrale encore, c'est cool. Les petits prismes maradites. Bon, si on peut avoir plus que 30 reflets, voilà, 300 reflets, ça c'est vraiment bien. Deux fois 300 reflets. Ouais, ouais, ah, légende animale de Magikrab, on avait déjà eu l'autre fois, il paraît que c'était pas ouf. Enfin, c'est toujours bien parce que c'est une légende animale, mais il paraît que c'est un peu de la merde, donc bon, voilà, ça fait quand même une légende en plus. 300 reflets.
Allez, vraiment, les lots 300 reflets font plaisir. Par contre, les élixirs chroniques, c'est toujours pareil, ça, j'en ai rien à faire. Hein. Légende de milieu, les gars. Deux légendes de milieu. Alors, franchement, on a pas mal de légendes. Hein. Par contre, là, elles sont pas très utiles pour le coup. Deux légendes de milieu. Les reflets, ça vaut quand même 500 unités, je crois. Un truc du genre, hein. Je sais plus trop. Rune astrale et patente. Il nous reste 40 coffres encore. On en avait beaucoup de ceux-là. On avait genre 140 coffres comme ça. Allez, les lots 300 reflets, les mecs là. Allez, 300 reflets. On en a plus trop des 300 reflets. Mm-hmm. Non. Ah, un petit 300 reflets, c'est cool. Allez, c'est quasiment terminé pour ceux-là. Il en reste 5. 300 reflets, let's go. Il en reste 3. Allez. Ok, bon. Ça va, franchement. Les légendes, c'est pour crafter les items légendaires. Mais en fait, la légende que j'ai eue deux fois là, elle est pas ouf. Parce que c'est pas. Tu vois, ça vaut 1 million même pas. C'est des bottes en fait qui sont pas très utiles. Par contre, l'arc Burado, ça c'est bien. Ça c'est vraiment bien. Ça pour le coup, là, le x2 il est très très bien. Mais tu vois, ces deux-là sont pas terribles. C'est pas, voilà, c'est pas ouf. Allez, on continue. On va passer vraiment aux choses sérieuses là. Puisqu'on a les gros coffres bleus qui sont pas mal. Parce qu'il y a le Phalanster dedans. Bah, malheureusement, j'en ai que 28, donc c'est pas ouf. Et après, on a évidemment les coffres roses qui sont les meilleurs, hein, logique. Bah écoute, let's go. Hein. Je sais plus c'est quoi ma touche pour le raccourci pour cela. Voilà, c'est ça. Allez, c'est parti. Là, si on a des bons trucs. C'est combien les reflets là? Donc là, il nous faut 1000 reflets, c'est vraiment bien. 1000 reflets ou les légendes, c'est vraiment lourd. Il y en a plus que 17 déjà. Rune astrale, c'est pas mal. Allez, ce serait bien d'avoir des petits trucs là. On en a pas beaucoup, faut savourer. Plus que 10. Pour l'instant, c'est pas ouf pour cela. C'est pas fini, il en reste 5. Rune astrale, c'est cool. Allez, plus que 3. Rune astrale et. Légende de Phalanster sur la. Oh, ça, c'est vraiment bien. Oh, je suis content. Franchement, ça fait plaisir. Une légende de Phalanster sur la dernière, ça, ça me fait plaisir. Franchement, la lock est présente. Hein. Là, j'ai de la lock. Hein. Oh, let's go. Parce que ça, c'est encore une fois, ça, c'est utile. Bon, ça vaut pas 40 millions, je vous rassure. Hein, mais les estimations sont fausses. Mais ça vaut des cavas. C'est bien. Lourd. Sur la dernière. Franchement, j'en avais que 28. Ça fait plaisir. Hein. Allez, les gars, on passe aux choses. Vraiment. Ah non, en vrai, j'allais dire, on passe aux choses sérieuses. Mais le coffre rose petit, il est pas ouf. Franchement, celui-là, il est pas terrible, donc on va le faire vite fait. Mais bon, on va quand même le spammer, hein. Allez, let's go. Donc, il y a quand même des légendes qu'on peut avoir, mais c'est pas ouf. Comme d'hab, là, le mieux, c'est les reflets. Hein. Plus on en a, mieux c'est. Et bon, vous voyez, dans les prises paradis, c'est vraiment utile. Donc, de toute façon, j'en aurai, mais les prises paradis, j'en ai besoin pour crafter les prises paradis, quoi. Donc, c'est cool d'en avoir, en fait. Rune astrale est pas tant, 300 reflets. On va les spammer, là, c'est pas très intéressant. Enfin, même, on peut avoir une légende, hein, mais bon. En fait, je serais limite content de pas avoir de légende dans cela parce qu'elle sera pas ouf dans tous les cas en fait. Dans tous les cas, c'est pas une bonne légende. 300 reflets, c'est cool. 300 reflets encore. Allez, plus que 3 coffres, 300 reflets. Oh, putain, j'ai eu pas mal de 300 reflets, hein. Franchement. Attends, j'en ai eu un là. Franchement, pas mal, hein. Parce que 300 reflets, c'est censé être assez rare là. Je suis à 14 000 reflets. Pour ceux qui veulent savoir un petit peu le pourcentage de chance d'avoir les trucs dans les coffres, bah là, je vous laisse afficher un petit peu. C'est écrit à droite là, vous savez à peu près combien c'est les pourcentages de chance pour les trucs. Je vous laisse un petit peu afficher. Voilà, voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est la crocobure. La Pukashi, il paraît qu'elle est vraiment bien. Bah, les autres fois, je crois que je les avais vendu 20 millions, les légendes de Pukashi. Hein. Vous allez me dire dans le chat, mais je crois que ça vaut vraiment pas mal. Donc là, vraiment, je crois que la Pukashi, c'est vraiment le meilleur truc à avoir dans cela. Et j'en ai 180, donc c'est vraiment. J'ai de fortes chances d'en avoir, tu vois. Ça serait vraiment bien d'en avoir au moins une. Et après, Crocobure, c'est quand même cool si on en a, mais c'est pas le meilleur. Sinon, comme d'hab, il y a les lots de 1000 reflets, c'est vraiment bien. Dire que t'as eu ces coffres sur des boarquettes. Allez, let's go, les gars, c'est parti. Prismaradite. Et là, on avait dit c'était 1000 reflets. Ouais, 6000 reflets qu'il nous faut. Ouh là, les Prismaradite Indigo, ça y va. Hein. Ça y va, on a eu 10 de suite, là. Allez. De toute façon, je me dis, on en a besoin. 1000 reflets, let's go. Elle est prise par Edith Indigo, là, ils y vont, hein, putain. On a vraiment, j'en ai besoin, donc je suis. Ça me dérange pas d'en avoir beaucoup, tu vois. Bon, après, si on va avoir une petite légende à droite à gauche, ce serait pas de refus, tu vois. Ah, on a beaucoup de prises par Edith comparé à d'habitude. Une rune astrale merveilleuse. Deuxième rune astrale. Bon, après, je pense que c'est galère à vendre les runes. En vrai, c'est pas forcément le meilleur bail, hein. Rune astrale, ok. Allez, il nous en reste 110, on a encore le temps, on peut savourer un peu cela. Ah, il faudrait avoir plus de 1000 reflets, j'en ai pas eu encore des 1000 reflets. Là, pour le coup, ah, 1000 reflets, ça c'est vraiment bien.
Il nous en reste 80 coffres. Rune astrale. On a beaucoup de runes astrales. De prismes ardites, pardon. Pour l'instant, c'est pas ouf sur, sur ces coffres-là. En vrai, c'est pas ouf pour l'instant, mais on a encore le temps. Il nous en reste 60. Ah, légende animale de Pukashi, let's go. J'en voulais une. Bah, on en a une déjà. Franchement, ça se croit que c'est vraiment bien. Franchement, c'est cool. Allez, on continue. Là, il me faudra. Ah, voilà, c'est ce que j'allais dire. Les 1000 reflets, c'est exactement ce qu'il me faut. Ouais, les runes, il me semble que c'est galère à vendre aussi. 1000 reflets encore, let's go. Encore 1000 reflets. Parce que là, vous voyez qu'on est déjà à 26 000 reflets. 27 000 reflets, là, j'ai envie d'en ouvrir 1000 encore. Rune astrale merveilleuse, il nous en reste 25. 25 coffres. Rune astrale merveilleuse, deux fois de suite. Encore une. Plus que 15. Ah, ça part vite quand même, parce qu'on a quasiment fini l'opening, les gars. Il ne reste plus que 50 coffres après. Plus que 5 coffres. Allez, peut-être sur la dernière comme tout à l'heure. Non, ok, ça va, franchement, j'ai une légende animale de Pukashi. Alors, c'est, ce qui est abusé, c'est que j'avais 180 coffres, je crois. Un truc comme ça, enfin 180 coffres, un truc du genre. Et j'ai pas eu de légende de truc. Alors, limite, tant mieux, parce que c'est pas ouf. Mais j'ai eu la légende de Pukashi, donc c'est vraiment bien. Franchement, je suis content, c'est cool. Et là, on a beaucoup de prismes ardites indigo, et c'est exactement ce dont j'ai besoin pour crafter le Pritec brillant, puisqu'il m'en faut 35, je crois. Ouais, donc vous voyez que là, j'en ai. Il va me manquer des prismes ardites par main, je vais devoir en acheter un petit peu. Bon, c'est pas grave. Bon, il nous reste les meilleurs coffres, les gars. Les coffres où il y a la légende de Jash. Les coffres, on peut avoir les lots de 2500 reflets. Donc, clairement, let's go, quoi. Allez. C'est parti, on perd pas de temps. Allez, il nous faut vraiment des bons trucs, là. Ah, voilà, 2500 reflets, ça, c'est vraiment bien. Rune astrale légendaire, c'est cool aussi. Après, je crois que c'est galère à vendre. Allez, là, il nous faut des 2500 reflets. 500 reflets encore. Voilà, 2500 reflets, ça, ça fait plaisir. Rune astrale légendaire. Mais tu sais qu'en vrai, là, j'ai pas beaucoup de prismes ardites, il m'en faut, hein. Il m'en faut des prismes ardites, là, en Kama Games, là. Voilà, filez-moi des prismes ardites, j'en ai besoin pour mes crafts. 2500 reflets, excellent. Ah, tu vois, le pire truc à avoir, je pense que c'est les 250 reflets, là. Mais bon, prismes ardites, j'en ai besoin. Alors, élixir chronique, c'est vraiment le pire truc, quoi, j'en ai rien à faire. Allez, encore 15 coffres. Allez, parfait, les prismes ardites, j'en ai besoin. 2500 encore, let's go. Alors, il nous en reste 5. Est-ce qu'on aura une légende? Il nous reste 3. Ok, 2500 reflets pour terminer. Franchement, ça va. Voilà, c'est terminé pour l'opening. On va faire un petit peu le, point. Franchement, ça va. On a eu que 2 runes légendaires. Par contre, bon, c'est quand même bien. On a eu 23 prismes ardites. Je crois qu'il m'en manque un petit peu pour le craft, du coup. Ah putain, il m'en manque pas mal, hein. Il m'en manque pas mal. Ah non, merde, c'est pas celui-là. Ouais, non, c'est celui-là. Il m'en manque quand même 17, du coup. Ouais, il m'en manque 17. Bon, je les achèterai, c'est pas très grave. Il m'en manque combien des prismes ardites parm? Il m'en manque pas mal aussi des prismes ardites parm. Il m'en manque environ 30. Ou alors, non, j'ai pas refait une run quand même. Parce que là, en fait, si je voulais vraiment craft sans dépenser de kama, faudrait que je refasse une autre run. Mais je t'avoue que j'ai un peu la flemme. Donc ça va. Du coup, on a eu quoi? Bon, 2 runes astrales légendaires, c'est vraiment bien. Bon, les prismes ardites, c'est cool, hein, ça fait des kama. Ça, les gars, dites-vous, si vous ouvrez vos coffres et que vous avez ça, c'est bien. Hein. Ça vous fait vraiment beaucoup de kama, ça, pour le coup. Une légende animale de Pukashi. Donc ça, ça vaut cher, pour le coup. Je crois que ça vaut genre 10 millions de kama. Légende de Phalanster, c'est pareil, c'est environ 10 millions. Les runes astrales merveilleuses, faut pas trop se fier à l'estimation. Je pense que ça vaut moins que ça. Mais c'est quand même pas mal. Légende animale de Magikra, bon. Ça, je pense que ça se vaut, ça va pas se vendre, en fait. Donc c'est un peu de la merde. Légende de milieu, bof, pareil, ça vaut pas grand-chose. Les prismes ardites. Légende de Burado, ça c'est vraiment bien, franchement. Deux légendes de Burado, c'est vraiment bien. Et après, on a des petites merdouilles à droite à gauche. Et 50 000 reflets oniriques.